Tu comprends pas? Je comprends pas, là. À chaque année, quand je sors mes lumières, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a passé l'été à faire des nœuds dedans. C'est peut-être tes guirlandes qui t'envoient un message? Genre, non, Claude, rajoute-en pas, il y en a assez! Je veux que ça soit beau. J'aime ça quand tu as des lumières de Noël, moi. Je trouve que ça fait joyeux. Mais ouais, ça serait encore plus joyeux si je pouvais éviter ma blonde. Vos amis sont toujours ici, hein? C'est pas une soirée par année passée en famille qui va être trop vous demander. Ouais. J'espère qu'on va avoir des beaux cadeaux. Oh, ça... Tiens, tiens! Ça, c'est ma mère. Ah, déjà? Ouais, je l'ai invitée à passer la journée ici. Ça va être son premier Noël depuis qu'elle a vendu la maison. Je veux surtout pas qu'elle s'ennuie de ça dans son petit appartement. Ah. C'est vrai qu'on avait du fun quand on se ramassait toute la gang à la campagne. Ah ouais, ça, ça va me faire drôle depuis y aller. Surtout durant la période des fêtes. Mais fais-toi-en pas, hein? On va passer un super de beau Noël en famille. Ah! Allô! Salut les compagnies! Ah, ben, monsieur, bonjour. C'est gentil d'être venu reconduire ma mère. Ah, ben non, il est pas venu me reconduire. Je l'ai invité à passer Noël avec nous. Ça te dérange pas, j'espère? C'est que... Parfait, moi, dis Claude, dis-moi ça. Je vais aller chercher les affaires qui restent dans la machine. Je reviens tout de suite. Ma belle Jeannine. Hey, Simon, viens nous aider ton vieux grand-père à transporter les boîtes, là. Grand-père? Ben oui. Je suis un peu comme ton grand-père. Allez, marche, marche, marche. Vas-y, Simon, là. Bon, profitez-en pas pour fouiller les cadeaux, là. Mais là, maman, là, pourquoi tu l'as invité? J'avais dit qu'on fêtait seulement en famille. Ben justement, André, mon amoureux, il fait partie de la famille. Voyons, maman, c'est... Mais voyons. Il y en a des cadeaux, hein? Vous êtes chanceux d'avoir des grands-parents comme ça, là, pour vous gâter. Je crois rêver. Simon, dernier rendu dans ma chaîne, c'est une moumoune. Oh, je te dis, hein, il y a le tour avec les jeunes, hein. Oh. Ils les aiment tellement. Oh, bonjour, Jeannine. Enfin, quelqu'un qui est content de me voir. Bon. Là, là. Ma mère a invité Mongeau. Monsieur Mongeau à venir fêter avec nous autres. Ah, oh. Ben, c'est une bonne idée, hein. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Désolé. Désolé, j'ai dit aux jeunes que c'était une fête en famille, sans chum ni blonde. Il faut que je sois juste équitable avec tout le monde. Bon, alors, si André peut pas rester, moi, je pars avec lui. Les enfants sont chez leur mère, je laisserai pas passer Noël tout seul. Ma maman... Je vais voir le petit. Moi, je pensais que c'était passager parce que ça ennuyait, mais on dirait que c'est plus sérieux que je pensais. Oh, commence pas avec ça, Claude. Ta mère est heureuse. C'est ça, l'important? C'est Simon, la moumoune. Tiens-moi ça, Vicky. Hey, dis Claude, mets ta tuque t'imitaine, on va aller jouer dans la neige. Je vais te donner bouillon. Là, va falloir que vous m'aidiez à tout préparer. Sinon, on va fêter Noël au mois de janvier. De toute façon, j'ai pas vraiment envie de fêter. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ça va pas? Bof. Je sais que j'ai dit le contraire à Annabelle l'autre jour, là, mais c'est poche de pas avoir de chum à Noël. Dis-toi que même si t'en avais eu un, Claude t'aurait pas laissé de l'inviter. Mais je te parle pas juste de ce soir. Le temps des fêtes, c'est le fun quand on est deux. On peut aller patiner, marcher sous la neige, main dans la main. T'es nouveau, ça, que t'aimes la neige? Ouais, j'aime pas ça non plus, mais dans les films, là, quand ils marchent sous la neige, là, c'est super romantique. Tu te reprendras. Il te reste encore bien des Noëls à fêter. Puis encore bien de la neige à se voir sur la tête, inquiète-toi pas. Mais on sait pas, hein? Je rencontrerai peut-être jamais le bon gars. Voyons, laisse-toi une chance, là. T'es toute jeune. Putain que ça. Allez, Manolo, dis! Ho, 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 pour voir! J'ai pas envie, là. Arrête donc de m'achaler avec ça. Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Cherche un Père Noël, puis Manolo veut pas. T'es pas un peu vieux pour croire au Père Noël, toi? C'est pas pour moi. C'est pour Colin. Allez, essaie. Oh, oh, oh! T'es content, là? C'est quand même mieux que Claude, là, mais c'est pas tout à fait ça. Ben, pourquoi tu demanderais pas à Denis? Il va être là ce soir.
Moi, je suis sûre que ça lui ferait plaisir. Est-ce qu'il est bon pour faire le Père Noël? Je sais pas. Mais Colin l'a pas vu souvent, il risque pas de le reconnaître. Ah, c'est vrai, ça. Je vais lui demander. Ah, je peux te prêter le costume de Père Noël que j'ai fait si t'en as besoin. Marianne, c'est Noël, pas l'Halloween. Hey, c'est quoi ça? Hey, ça te regarde pas, ça? Hey, il me semble que j'ai vu mon nom, là, c'est ta liste de cadeaux. Je peux peut-être te donner des idées si t'as besoin d'aide. Hein? Ben, si tu veux vraiment m'aider, vide donc la vaisselle. Tant mieux, parce que c'est ça le but. Je vais en jouer jusqu'à temps que les parents me supplient d'arrêter. Ça, c'est à condition que je te le fasse pas avaler avant. Je veux dire que ma guitare est trop vieille puis que ça m'en prend une neuve. Sinon, je vais continuer à jouer de l'harmonica. Ils vont tellement être tannés de m'entendre jouer qu'ils vont préférer m'acheter une nouvelle guitare. Wow, c'est beau de rêver. C'est sûr que ça va marcher. Même que je pourrais peut-être en demander plus. Ça va la guitare, là! Ça va la ça? Ouais, mais c'est pas tout! Je vais avoir le droit de recongeler le cornet! Je me demande pourquoi j'y ai pas pensé avant. Hey, va donc casser les oreilles de ta mère vu que c'est elle que tu veux convaincre. Hey, mon amour de cas! Non, s'il vous plaît, là, il faut que je vous parle. Hmm? Ça tombe bien, nous aussi. Comment ça se fait que Janine a le droit d'inviter son chum, puis pas nous? Ouais. Puis est-ce que c'est parce que t'as interdit à Magali que Max vienne qu'elle sera pas avec nous ce soir? Simon, tu sais très bien que c'est rare que ta sœur vienne fêter le réveillon ici parce qu'elle va dans la famille de son chum. Mais là, mon jour, là, c'est pas mon idée, c'est ma mère qui l'a invité. Ben, dans ce cas-là, dis-lui de s'en aller, c'est pas compliqué. Si c'est juste de mon jour, je me gênerais pas, mais c'est un peu plus délicat, c'est le chum de ma mère. Pour mon chum, tu ne gênes pas, mais pour le chum de ta mère, par exemple, C'est vrai, ça, t'es pas correct. Si mon jeu a le droit de venir, là, tout le monde devrait avoir le droit d'inviter son chum ou sa blonde. Chiole pour rien, Marianne, t'en as même pas de chum. Mais c'est ça, fais donc exprès pour me le rappeler. Là, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faudrait savoir? Genre la dinde, est-ce qu'on va pouvoir en manger ou si c'est juste pour ta mère puis mon jeu? Je vous demande seulement d'essayer de comprendre. Comprendre quoi? Que mon jeu est le bienvenu, mais pas Jeff puis Shandy. Ou que t'es trop peureux pour mettre mon jeu dehors? Je viens de vous l'expliquer, je peux pas faire ça. Parce que pour nous, c'est le fun de fêter Noël avec mon jeu, tu penses? Puis moi aussi, tu penses? Ça me fait pas plus plaisir à moi aussi, mais là, on va tous faire un petit effort, hein? Moi, mon jeu, je peux plus le sentir. Je le vois au hockey, à l'école, au centre des loisirs. La seule place où j'avais la paix, c'était dans la famille. Je m'imagine déjà ce que ça va être. Mon petit frisé! Vu qu'il est arrivé en retard, tu vas me faire 1000 push-ups! J'ai de les faire! Je me souviens pas de ça! Dans mon temps, 1000 push-ups, je faisais ça sur un bras avec de la neige jusqu'au genou, moi! Ah ouais, marche! Mon petit frisé, vu que t'es arrivé en retard, tu vas me faire 1000 push-ups. Mais ça fait deux fois que je l'ai fait. Me souviens pas de ça. Dans mon temps, 1000 push-ups. On faisait ça sur un bras avec de la neige jusqu'au genou, ou bien? Marche. Ça, jamais. Arrêtez de paniquer, là. Vous avez juste à pas lui adresser la parole à mon jeu si vous voulez pas. Qui t'a payé pour dire des affaires de même, toi? Bon. On va passer un très beau Noël en famille. J'aurais besoin d'aide pour aller installer les lumières à l'extérieur. Mais pourquoi tu demandes pas à mon jeu, hein? Tu l'aimes tellement, lui. Ben oui. Pourquoi il fallait que notre grand-mère tombe en amour avec lui aussi? T'sais, c'est comme d'aller dans un buffet à volonté puis manger du brocoli.
Arrêtez donc, là. Monjo et Janine sont heureux ensemble, puis vous le savez très bien. Mais oui, on le sait, mais c'est pas juste que Monjo soit ici à Noël, puis pas JF. Puis depuis quand tu prends pour Monjo, toi? Je prends pas pour lui, mais j'ai voulu l'écœurer l'autre fois, puis je l'ai regretté. Mais tu pourrais au moins être solidaire avec nous. OK, même si on écœure Monjo, là, JF sera pas plus invité. En tout cas, si t'es pas avec nous, t'es avec Monjo. Ben oui, c'est ça, Jacques Monjo. Oh, 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 oh! Non, c'est pas ça. Tu dis trois fois. Oh, pas cinq. C'est parce que le Père Noël est plus jeune, il commence à radoter. Puis le Père Noël mange pas de gomme. Même pas menthe polaire? Il mange pas de gomme. C'est pas bon avec le biscuit pis le lait. Hey, je sais pas dans quoi je m'embarquais quand j'ai accepté de le faire, le Père Noël. Non, 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 j'y vais, viens de toi. J'ai pas le temps, je répète. Mais c'est pas l'entraînement de Denis. L'entraînement? Coudon, vas-tu courir le marathon ou bien faire le Père Noël? Le marathon, ça aurait probablement été moins compliqué. Bon, Denis et le Père Noël, puis toi, tu vas faire semblant de venir le voir pour lui dire ce que tu veux. Et je peux peut-être en profiter pour passer mon message. C'est bon, Nathan, je vais faire ça pour t'aider. Viens t'asseoir sur mes genoux, mon petit Manolo! Bonjour, Père Noël! J'aimerais ça avoir une guitare neuve, comme celle que Magali a achetée à Max. C'est pas un peu cher comme cadeau, ça? Le Père Noël dit pas ça, c'est cher. Le Père Noël, non, mais le père de Manolo, oui. Est-ce qu'il y a autre chose que t'aimerais avoir à la place? Non. Par contre, je sais que ma mère a pas encore acheté mon cadeau, vous pourriez peut-être l'acheter ensemble, si c'est trop cher. Trop tard, je l'ai déjà acheté. Oh! Non, ça non plus, il dit pas ça. Puis, ils achètent pas les cadeaux, ils fabriquent. Oui, c'est parce que le Père Noël, il a vu quelque chose en solde, puis il en a profité. Oh! Non! Non, on recommence! Ah, que la neige a neigé et que la slotch a slotché. Oh, je te dis que c'est romantique marcher sous la neige avec un poète. Merci. C'est pas romantique, c'est dangereux, maman. T'aurais pu glisser puis te casser une cheville. Non, on est allé marcher, pas sauter en parachute. Ben attention avec les outils coupants, là, anti-clone. Non, c'est pas comme ça. Donne-moi ça, je vais te montrer comment. Ben, ça va, Monsieur Monjo, j'ai pas besoin d'aide. Les enfants, ils sont bien tous pareils. Ça pense tout savoir. T'es comme ça, son âge, moi. Monsieur Monjo, on a presque le même âge, là. Arrêtez de jouer au père avec moi, OK? Peut-être le même âge physique, mais pour ce qui est de l'âge mental, je suis pas mal plus vieux que toi, mon garçon. Voyons, t'as dit ça pour rire, là. T'as pas pensé sortir ton sens de l'humour en même temps que tes lumières de Noël? Maman, rajoute-en pas, OK, là? Bon. Je vais aller porter ça en bas. Oh, mon Simon! Comment ça va, champion? Raconte donc à ta grand-mère comment on a réussi à battre les puissants cougars de Saint-Benoît grâce à mes brillantes stratégies. Ça tombe bien, je voulais justement qu'on parle de lui. À la place, Monsieur Monjou, pourquoi on parlerait pas de la fois où vous m'avez laissé sur le banc toute la partie juste parce que je suis arrivé 5 minutes en retard? T'as fait ça? C'est vrai, le vous. Mais la vraie raison, Janine, c'est parce que Simon était blessé, puis je voulais surtout pas qu'il aggrave sa blessure. Oh, ça c'est bien, ça. C'est pour ça que vous m'avez laissé sur le banc. Ben exactement. Je te connais, Simon. T'es un gagnant. T'aurais voulu jouer malgré ta blessure. Pour moi, là, ce qui passe avant la victoire, là, c'est la santé et le bien-être de mes joueurs. Oh, mon, que c'est bien. Puis au centre des loisirs, quand vous nous avez confisqué les raquettes de ping-pong, ça aussi, c'était pour notre bien. Exactement. C'était pour t'empêcher de souffrir d'un ping-pong elbow. Un quoi? Un ping-pong elbow. C'est comme un tennis elbow, là. C'est une douleur qu'on s'afflige au coude en jouant au ping-pong. C'est drôle, c'est la première fois que j'entends parler de ces histoires-là. Tu me connais, Simon, hein? Je suis humble. D'ailleurs, je suis le plus humble des hommes que je connaisse. Moi, la vantardise, je laisse ça aux autres. J'en reviens pas que vous m'ayez caché aussi longtemps un aussi beau célibataire. Janine.
T'as déjà fini tes courses? Oh, je suis juste allée à l'épicerie. Je peux encore passer au centre commercial. Hey, moi, on m'y reprendra plus à magasiner le 24 décembre. Il devrait déplacer Noël le 30 décembre. Ça laisserait plus de temps pour magasiner. Oh. Là, tu tournes en rond pendant une heure pour te trouver une place de stationnement. Puis finalement, tu te fais bousculer par tout le monde qui pense qu'ils sont tout seuls à être pressés. Manon, oh. Quoi? Ça te tenterait pas de prendre une petite pause? Hey, il faut que je répète si je veux m'améliorer, là. En plus, tu devrais savoir que la musique, c'est bon pour mon développement. Peut-être, mais c'est pas très bon pour ma patience. Pas grave, ça. Il paraît que la musique adoucit les mœurs. Manolo, pourquoi tu joues pas de la guitare à la place, hein? Ça serait plus agréable pour les oreilles. C'est le temps de passer à la deuxième partie de mon plan. Vu que t'en parles, je vais pas te déranger avec ça, là, mais... je suis plus capable de jouer avec ma vieille guitare. Ah non? Pourquoi? Elle est brisée? Non, là, mais... c'est une guitare de débutant, puis je suis rendu bien plus loin que ça, là. Alors, ce qu'il me faut, c'est une guitare un peu comme celle que Magali a achetée à Max. Je sais que ça coûte cher, puis je voulais pas t'acheter avec ça, là. Oh, ben c'est très gentil de ta part. Mais là, si je comprends bien, t'as décidé de laisser tomber la guitare pour l'harmonica. Oui, c'est l'instrument idéal, vu que ça coûte pas cher. À moins que ça te dérange quand j'en joue, là. Là, j'espère que tu manigances pas tout ça pour que je t'achète une nouvelle guitare. Ben non! Ah. Ben, tant mieux, parce que j'ai pas l'intention de t'en acheter une. Oh non! Non, peut-être plus tard, mais pour le moment, je pense que la tienne fait très bien l'affaire. Oui, mais Max va avoir une nouvelle, lui. Ben oui, mais Max, c'est pas pareil. Lui, il fait des spectacles, des tournées. T'es pas rendu là, toi? Non, mais si je veux m'y rendre, ça me prendrait une bonne guitare. Manolo... moi, je suis certaine qu'à ton âge, là, Max, il avait même pas une belle guitare comme la tienne. Hein? Compte-toi chanceux. Ah ouais. Puis de toute façon, je vois pas pourquoi on parle de guitare, vu que t'as décidé de te mettre à l'harmonica. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça! Il sait encore. Oh, oh, oh! Et là, ça paraît trop que tu ris pas pour vrai. Oh, mais gars, là, c'est trop compliqué, je rirai pas, ça va être plus simple. Un Père Noël, ça rit. Peut-être. Sauf que là, le Père Noël commence à trouver ça moins drôle. T'attends, hein? On fait ça pour s'amuser. Quand j'étais petit, j'ai vu un Père Noël poche une fois dans un dépanneur. Il était laid, il puait de la bouche, puis quand il riait, il me faisait peur. Après ça, j'ai jamais été capable de retourner voir un Père Noël. C'est vrai, je me souviens, regarder en dessous de son lit avant de se coucher pour s'assurer que le Père Noël était pas là. Puis je veux pas que la même chose arrive à Colin. Je suis pas si pourri que ça, quand même. En tout cas, j'ai déjà vu mieux. Quand tu ris, on sait pas si tu ris ou tu tousses. Et vous, Monsieur Mongeau, ça vous tenterait pas de faire le Père Noël? Ben, peut-être, là. Je sais pas pourquoi tu veux prendre ta retraite. Hein? Paraît que je sais pas rire. Et non, mais ça tombe mal, hein, parce que Monsieur Mongeau, c'est pas sa spécialité non plus. La dernière fois qu'on l'a vu rire, là, il s'est étiré un muscle. Mais essayez donc pour voir. Attends un petit peu là, je vais me mettre dans la peau du personnage, hein? Ho, ho, ho! Joyeux Noël! Ho, 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 ho! Hey, wow! C'est en plein ça! Voulez-vous le faire? Ben, si Nini voit pas d'inconvénient, j'accepte. Oh non, 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 venez! On va changer tout de suite avant que Nathan change d'idée! Je savais pas que M. Mongeau serait bon pour faire le Père Noël. Moi non plus, il a tellement l'air bête d'habitude. Ouais. Finalement, j'ai essayé de caler mon jeu, puis Janine l'admire encore plus. Hey, on pourrait essayer d'y faire croire que j'ai une maladie grave et contagieuse, comme ça, il s'en irait peut-être. Ouais, sauf que c'est pas vrai, puis les parents embarqueront pas. On pourrait lui faire accrocher des lumières sur le toit. Avec un peu de chance, il va tomber. Un coup parti, on pourrait lui passer dessus avec la souffleuse. Exagère pas, là. Ouais. Mais trouve-en dans une idée, toi, d'abord. Je sais pas, là, on pourrait emballer un cadeau poche pour Janine puis faire croire que ça vient de Mongeau. Ah, c'est un début. Encore dans vos plans pour écœurer Mongeau. Ouais, pourquoi? Veux-tu nous aider? Pas vraiment, non. Mais si ça peut vous convaincre... On sait que tu vas être fin avec Mongeau juste parce que tu veux continuer à répéter dans son sous-sol. C'est pas ça pantoute, là. Janine, je l'aime puis je veux pas y faire de peine, c'est tout.
En plus, c'est mon jour qui va faire le Père Noël, puis écœurer le Père Noël, là, ça se fait pas. Ouais. Dans le fond, c'est vrai que c'est pas de sa faute si on peut pas inviter Shandy puis Jeff. T'as peut-être raison. En plus, ça serait plate de se faire engueuler par Claude juste parce qu'on a écœuré mon jour. Puis quand je suis sortie de mon appartement, il y avait encore des roses jusque dans le corridor. Oh, c'est donc bien cute, grand-maman. Mais c'est pas tout ça. Il y en avait mis jusqu'à mon auto. Il devait y avoir au moins 4 douzaines de roses. Je pensais pas que M. Mongeau était aussi romantique que ça. Une chance que je reste dans un demi-sous-sol, sinon il viendrait me chanter des chansons sous mon balcon. Ah, je l'imagine. Oui. Ah, ben, on dirait que le party a commencé ici, hein? Oui, ben, il faut bien. Si on avait tout ton air, ça serait pas trop joyeux. Mais là, parce que je m'en fais pour toi, là, il va pas être évident de fêter Noël sans ta maison. Oh, mais c'est pas la maison qui est important, hein? C'est les gens qu'il y a dedans. Ici, je suis entourée de tout ce que j'aime et ça me rend heureuse. Ah, tant mieux. Je serais encore plus heureuse, là, si t'avais l'air moins grognon. Bon. Oh, allez, souris un petit peu. Allez. Bon, arrête donc, allez, là. Bon, tiens, ça va mieux. Tu viens, mon pitou? Ouais. Il est temps, on va aller jouer. Bye. Coudonc, est-ce qu'elle a commencé à servir dans le bol à punch avant tout le monde? Non, elle est en amour, papa. Oh, je le sais, ça. C'est sûr que le fait que ce soit M. Mongeau, ça brise un peu la magie. Mais je trouve ça beau, moi, ce qu'ils vivent, papa. C'est la preuve qu'on peut être en amour même quand on est vieux. Moi, ça me rassure. Ouais, t'as raison. J'aime mieux voir ma mère en amour et endurer mon jour que de la voir malheureuse. On va commencer par un premier cadeau. Oh, M. Mongeau, on ferait peut-être commencer par celui-ci. Oh, oh, jeune homme, regarde-moi comme faut, là. Hein? M. Mongeau, tu te trompes, moi, c'est M. Noël. Père Noël, hein? Un premier cadeau pour la belle Jeannine. Mais là, j'aimerais mieux là, que vous donniez le premier cadeau à mon petit Colin d'amour. Oh. Apple, là! Ah. Voilà, ça fait! J'ai quelque chose ici, là! Regarde! C'est... Voilà! Oh. Wow. Mon Colin! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Regarde, grand-maman va te aider. J'aimerais ça dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? S'il vous plaît, ça sera pas long, juste une petite minute. Bon. C'est juste ça que t'avais à nous dire? Non. Je voulais juste vous dire que je suis très heureux de fêter Noël avec vous tous. Et que... Je pouvais pas être mieux entouré. Hein? Ben, joyeux Noël! Je comprends pas, là. À chaque année, quand je sors mes lumières, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a passé l'été à faire des nœuds dedans. C'est peut-être tes guirlandes qui t'envoient un message. Genre, non, Claude, rajoute-en pas, il y en a assez. Je veux que ça soit beau. J'aime ça quand tu as des lumières de Noël, moi. Je trouve que ça fait joyeux. Mais ouais, ça serait encore plus joyeux si je pouvais inviter ma blonde. Vos amis sont toujours ici, hein. C'est pas une soirée par année passée en famille qui va être trop vous demander. Ouais. J'espère qu'on va avoir des beaux cadeaux. Oh, monsieur.
Tiens, tiens. Ça, c'est ma mère. Ah, déjà? Ouais, je l'ai invitée à passer la journée ici. Ça va être son premier Noël depuis qu'elle a vendu la maison. Je veux surtout pas qu'elle s'ennuie toute seule dans son petit appartement. Ah. Ah, c'est vrai qu'on avait du fun quand on se ramassait toute la gang à la campagne. Ah ouais, ça, ça va me faire drôle de plus y aller. Surtout durant la période des fêtes. Mais fais-toi-en pas, hein? On va passer un super de beau Noël en famille. Ah! Allô! Salut les compagnies! Ah, ben, monsieur, bonjour. C'est gentil d'être venu reconduire ma mère. Ah, ben non, il est pas venu me reconduire. Je l'ai invité à passer Noël avec nous. Ça te dérange pas, j'espère? C'est que... Parfait, moi, dis Claude, dis-moi ça. Je vais aller chercher les affaires qui restent dans la machine. Je reviens tout de suite. Ma belle Jeannine. Hey, Simon, viens nous aider ton vieux grand-père à transporter les boîtes, là. Grand-père? Ben oui. Je suis un peu comme ton grand-père. Allez, marche, marche, marche. Vas-y, Simon, là. Bon, profitez-en pas pour fouiller des cadeaux, là. Mais là, maman, là, pourquoi tu l'as invité? J'avais dit qu'on fêtait seulement en famille. Ben justement, André, mon amoureux, il fait partie de la famille. Voyons, maman, c'est... Ben, voyons. Il y en a des cadeaux, hein? Vous êtes chanceux d'avoir des grands-parents comme ça, là, pour vous gâter. Je crois rêver. Simon, il y en a rendu dans ma chaîne, c'est une moumoune. Oh, je te dis, hein, il y a le tour avec les jeunes, hein. Oh. Ils les aiment tellement. Oh, bonjour, Jeannine. Oh. Enfin, quelqu'un qui est content de me voir. Bon, là, là. Ma mère a invité Mongeau. Monsieur Mongeau à venir fêter avec nous autres. Ah, oh. Ben, c'est une bonne idée, hein. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Désolé. Désolé, j'ai dit aux jeunes que c'était une fête en famille, sans chum ni blonde. Il faut que je sois juste équitable avec tout le monde. Bon, alors, si André peut pas rester, moi, je pars avec lui. Les enfants sont chez leur mère. Je laisserai pas passer Noël tout seul. Ma maman... Je vais voir le petit. Ah, là, moi, je pensais que c'était passager parce que ça ennuyait, mais on dirait que c'est plus sérieux que je pensais. Oh, commence pas avec ça, Claude. Ta mère est heureuse. C'est ça l'important. C'est Simon, la moumoune. Tiens-moi ça, Vicky. Hey, dis Claude, mais t'as-tu que t'imitais, on va aller jouer dans la neige. Je vais te donner bouillon. Là, va falloir que vous m'aidiez à tout préparer. Sinon, on va fêter Noël au mois de janvier. De toute façon, j'ai pas vraiment envie de fêter. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ça va pas? Bof. Je sais que j'ai dit le contraire à Annabelle l'autre jour, là, mais c'est poche de pas avoir de chum à Noël. Dis-toi que même si t'en avais eu un, Claude t'aurait pas laissé de l'inviter. Mais je te parle pas juste de ce soir. Le temps des fêtes, c'est le fun quand on est deux. On peut aller patiner, marcher sous la neige, main dans la main. C'est nouveau, ça, que t'aimes la neige? J'aime pas ça non plus, mais dans les films, là, quand ils marchent sous la neige, là, c'est super romantique. Tu te reprendras. Il te reste encore bien des Noëls à fêter. Puis encore bien de la neige à se voir sur la tête, inquiète-toi pas. Mais on sait pas, hein? Je rencontrerai peut-être jamais le bon gars. Voyons, laisse-toi une chance, là. T'es toute jeune. Putain que ça. Allez, Manolo, dis ho, 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 pour voir. J'ai pas envie, là. Arrête donc ma chaleur avec ça. Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Cherche un Père Noël, puis Manolo veut pas. T'es pas un peu vieux pour croire au Père Noël, toi? C'est pas pour moi. C'est pour Colin. Allez, essaie. Oh, oh, oh! T'es content, là? C'est quand même mieux que Claude, là, mais c'est pas tout à fait ça. Ben, pourquoi tu demanderais pas à Denis? Il va être là ce soir. Moi, je suis sûre que ça lui ferait plaisir. Est-ce qu'il est bon pour faire le Père Noël? Je sais pas. Mais Colin l'a pas vu souvent, il risque pas de le reconnaître. C'est vrai, ça. Je vais lui demander. Ah, je peux te prêter le costume de Père Noël que j'ai fait si t'en as besoin. Marianne, c'est Noël, pas l'Halloween. Hey, c'est quoi ça? Hey, ça te regarde pas, ça? Hey, il me semble que j'ai vu mon nom, là, c'est ta liste de cadeaux. Je peux peut-être te donner des idées si t'as besoin d'aide. Hein? Ben, si tu veux vraiment m'aider, vide donc le lave-vaisselle.
tant mieux, parce que c'est ça le but. Je vais en jouer jusqu'à temps que les parents me supplient d'arrêter. Ça, c'est à condition que je te le fasse pas avaler avant. Je veux dire que ma guitare est trop vieille et que ça m'en prend une neuve. Sinon, je vais continuer à jouer de l'harmonica. Ils vont tellement être tannés de m'entendre jouer qu'ils vont préférer m'acheter une nouvelle guitare. Wow, c'est beau de rêver. C'est sûr que ça va marcher. Même que je pourrais peut-être en demander plus. Prends la guitare, là! Ça va être ça? Ouais, mais c'est pas tout! Je vais avoir le droit de recongeler le cornet à vie! Le droit de me coucher là que je veux, puis assiner ma maison dans ma chambre! Là, tu penses pas que t'as de mal beaucoup? Déjà une guitare! Approche pas! Sinon, je vais en jouer, je te le dis, je vais en jouer, je suis sérieux! Parfait. Je me demande pourquoi j'y ai pas pensé avant. Hey, va donc casser les oreilles de ta mère, vu que c'est elle que tu veux convaincre. Hey, mon amour de cas! Bon, s'il vous plaît, là, il faut que je vous parle. Ça tombe bien, nous aussi. Comment ça se fait que Janine a le droit d'inviter son chum, puis pas nous? Ouais. Puis est-ce que c'est parce que t'as interdit à Magali que Max vienne qu'elle sera pas avec nous ce soir? Simon, tu sais très bien que c'est rare que ta sœur vienne fêter le réveillon ici parce qu'elle va dans la famille de son chum. Mais là, mon jour, là, c'est pas mon idée, c'est ma mère qui l'a invité. Ben, dans ce cas-là, dis-lui de s'en aller, c'est pas compliqué. Si c'était juste de mon jour, je me gênerais pas, mais c'est un peu plus délicat, c'est le chum de ma mère.